le Sport Roi célébrait ce 13 août à Libreville. Après une année 2022 marquée par la reprise du National Foot 1 et 2, les trophées du football, dernière trouvaille de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon et du cabinet K Consulting, ont consacré les meilleurs joueurs de la saison écoulée du National Foot. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de récompenser l'acteur principal du football. Le milieu de terrain de l'Union sportive de Bitam, Roy Mounyenge, a été sacré meilleur espoir de la saison, tandis que le champion du Gabon avec l'Asso Stade Mandji, Ruth Tsumbu, remporte le trophée Germain Mendom du meilleur gardien de la saison. La milieu de terrain d'Ombila Mziami, Flora Bouilly, pour sa part, a été sacrée meilleure footballeuse et voulant en équipe nationale. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix. Je ne peux pas vraiment dire que je le mérite. Bon, les choix, les votes ont été en ma faveur. Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi. Et je remercie également l'Éternel. Je suis très heureuse et je me battrai pour en avoir encore et encore à l'avenir. Le prix du meilleur footballeur gabonais de l'étranger a été attribué à Gaylor Kanga. Sans surprise, Alain Mandro remporte le trophée Alain Dacosta Suarez du meilleur entraîneur de l'année. Cerise sur le gâteau, Samson Bingui de l'Union sportive de Bitam a remporté le trophée Théodore Zuengema, récompensant le meilleur joueur de la saison.